Shikira Oh, shalom mes frères et sœurs, shalom à toute la famille, c'est votre frère le docteur Coco Kinga. Yes, ce soir nous sommes en train de continuer dans notre série avec la prière. Nous sommes en train de prier avant de dormir. Nous sommes en train de prier encore une fois ce soir avant de dormir. Hier, nous avons prié avant de dormir. Ce soir aussi, nous allons prier avant de dormir. Alors, je t'encourage à prier avec moi. Là où tu es, commence déjà à prier. Et pendant que tu pries, je veux que tu sois actif dans les commentaires. Montre-moi dans les commentaires que tu as prié. Tu es en train de prier avec moi. Montre-moi dans les commentaires que tu es prêt à prier ce soir. Montre-moi dans les commentaires que tu es en train de prier avec moi ce soir. Nous sommes en train de prier ensemble. Nous allons prier aujourd'hui encore avant de dormir. Je suis dans la foi que quelqu'un est en train de prier avec moi. Je suis dans la foi que toi, tu es en train de prier avec moi. C'est pourquoi je veux que tu commences à prier. Là où tu dis, commence à dire merci Seigneur Jésus. Commence à glorifier le Seigneur. Tu es en train de glorifier le Seigneur pour entrer dans la présence. Tu es en train de glorifier le roi des rois pour entrer dans sa présence. Tu vas entrer dans la présence du Seigneur avec un alléluia. Dis à ton Dieu, alléluia Jésus. Je t'adore Jésus. Commence à adorer le roi des rois, commence à adorer le roi des rois, commence à adorer le Seigneur des seigneurs, adore le roi, adore le Seigneur, adore le véritable Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Dis-lui, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, mon Dieu. Aussi, Ramam Daromoko. Alléluia, alléluia à l'agneau. Alléluia à l'agneau. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia à Jésus notre Seigneur. Alléluia à Jésus. Yes, Jésus, nous t'adorons. Nous t'approchons de ta présence. Nous nous approchons de ton trône avec les louanges, avec l'adoration. Oh, Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'adorons. Alléluia à l'agneau de Dieu. Yes, adore l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Adore l'agneau de Dieu qui est ton Seigneur et ton Sauveur. Adore-le. Dis, Seigneur, je t'aime. Dis Jésus, je t'aime. Oh Jésus, oui, je t'aime. Jésus, oui, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime et je t'adore. Adore ton Dieu. Dis alléluia. Tu t'approches ce soir au trône de la grâce avec le louange, avec l'adoration. Tu lui dis, Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, je viens dans ta présence, Yahweh. Je viens dans ta présence, Seigneur Jésus. Yahweh, dans ta présence, il y a la joie. Oh, dans ta présence, il y a la joie. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur, il y a la joie, la guérison, la vie, la bénédiction. Dans la présence du Seigneur, il y a le succès. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu dises, oh mon Dieu, je viens auprès de toi. J'entre dans ta présence pour t'adorer. J'entre dans ta présence pour louer ton nom. Parce que tu me fais du bien. Parce que tu me fais du bien, mon Jésus, mon roi. Tu me fais du bien, éternel. Mon Dieu, tu me fais du bien, papa. Tu me fais du bien, Yahweh. C'est pourquoi je viens dans ta présence avec ma chanson. Commence à lui dire alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, agneau de Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, ce soir, approche-toi de ton Dieu. Nous allons prier ensemble comme on a fait hier. Nous allons prier ce soir. Prière avant de dormir. Tu es en train de prier ce soir avec moi avant de dormir et ta prière sera une prière efficace. Ta prière sera une prière de révélation. Ta prière sera une prière qui est en train de débloquer des révélations pour toi, des révélations pour ta vie, des révélations pour ta famille. C'est pourquoi je veux que tu puisses dire alléluia Jésus. Tu t'approches avant ta prière, avant que tu commences à prier, avant que tu commences à déclarer, tu t'approches de Jésus, tu t'approches de son trône et tu lui dis, oh mon Dieu, je m'approche de toi Jésus, oh mon Dieu, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi. Dis-lui, oh mon Dieu, je viens dans ta présence. Dis-lui, je viens dans ta présence. Dieu dit shalom. Shalom à mon frère Casimir. Je dis shalom à mon frère Baba. Je dis shalom à ma sœur l'évangéliste Naomi Praise. Soyez tous bénis par les noms puissants du Seigneur. Shalom à toute la famille. Aidez-nous à partager ces vidéos pour que nos frères et sœurs puissent se joindre à nous et savoir que ce soir on est en train de prier. Je veux que tu sois dans la position de la prière. Je veux que tu pries ce soir avec moi. Je veux que tu puisses lui dire, oh mon Dieu,
Je m'approche. Je m'approche de toi, Seigneur. Je m'approche de ta présence, Seigneur. Je m'approche, oh Jésus. Je m'approche, Jésus. Je m'approche de toi, mon Seigneur. Yahweh, je viens vers toi. Je viens vers ton trône de grâce. Je viens vers ton trône. Alléluia, Jésus. Je m'approche de toi, Seigneur. Parce que dans la présence du Seigneur, il y a la délivrance. Dans la présence du Seigneur, il y a le salut. Dans la présence du Seigneur, il y a la victoire. Approche-toi de lui. Dis, oh mon Dieu, je viens vers toi. Oh mon Dieu, je m'approche. Yes, oh Seigneur, je m'approche de toi. Viens dans la présence du Seigneur. Le Seigneur t'attend. C'est lui qui a dit, venez à moi, spécialement vous tous qui êtes fatigués. Oh, c'est lui qui n'est pas fatigué. Va dire que bon, ces choses ne m'intéressent pas. Mais si tu es fatigué, tu vas lui dire, Seigneur, je m'approche de toi. Seigneur, je viens vers toi. Reçois-moi dans ta présence. Reçois-moi, Jésus. Reçois-moi, Seigneur, dans ta présence. Je m'approche vers toi pour te voir, mon Dieu. Je m'approche de toi pour écouter ta parole. Je m'approche de toi pour avoir mon miracle. Je m'approche de toi pour avoir ma délivrance. Je déclare ce soir, tu seras délivré pendant que tu viens dans la présence du Seigneur pour prier. Prière avant de dormir. Aïe, 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 aïe. Ta prière va secouer les choses. Ta prière va secouer les montagnes. Ta prière va faire pleurer les sorciers de ta famille, les sorciers de ton quartier, les sorciers de ton travail, les sorciers qui veulent manger ta vie. Non, non, non. Eux, ils se préparent la nuit pour te manger en faisant des sacrifices, des rituels, des histoires. Mais toi, tu viens devant le trône de ton Dieu. Tu lui dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et lui, il te répond, mon enfant, je supporte ton cas. Je combats pour toi. Je brûle tes ennemis. C'est pourquoi tu vas lui dire, alléluia. Commence à adorer le Seigneur. Dis à ton Dieu, je t'adore Jésus. Je t'adore Yahweh. Je t'adore Éternel, tu es mon papa, tu es mon Seigneur, tu es ma délivrance. Adore-le. Dis-lui, Seigneur, tu es ma vie, tu es ma force. Oh mon Dieu, je t'adore. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tous les dieux des nations sont des sorciers. Tous les dieux des nations sont des idoles. Ils ne peuvent pas sauver. Ils ne peuvent pas délivrer. Ils ne peuvent pas faire du bien. Mais toi, oh Jésus, tu délivres Israël. Tu délivres ton peuple. Tu délivres tes enfants. C'est pourquoi je te dis alléluia Jésus, alléluia à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh Seigneur, nous t'adorons. Mes frères et sœurs, je dis shalom à toute la famille connectée ce soir. Cathy, je te dis salut. Je dis Cathy, à Cathy et à tous les autres. Shalom à toute la famille connectée. Aidez-nous à partager cette vidéo pour que nos frères et sœurs puissent se joindre à nous. Et nous sommes en train de prier ensemble ce soir. Nous allons dire à notre Dieu, oh Seigneur, visite nos vies, visite nos familles. Oui, nous allons lire à ce que la Bible nous dit. Nous avons touché un peu cette écriture hier. Nous allons toucher cette écriture aussi aujourd'hui. Et nous allons nous lancer dans la prière avec ça. Alors, je veux que tu puisses lire cette écriture avec moi. Je mets l'écriture devant le cran pour que tu puisses un peu voir un peu ce que le Seigneur est en train de nous dire. Oui, psaume. C'est dans psaume 91. C'est dans psaume 91. Psaume 91, 5, 6. Psaume 91, 5, 6. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit dans les livres des psaumes 91, 5, 6? Dans psaume 91, 5, 6, je lis et puis je crie le début du verset. Psaume 91, 5, 6. La Bible nous dit. Tu ne craindras pas, tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Psaume 91, 5 et 6. Tu ne craindras pas ces histoires. C'est pourquoi ce soir, dans ta prière, tu vas dire à ton Dieu, oh mon Dieu, je refuse de craindre. Je refuse de craindre. Quelles que soient les histoires qui ont dérangé ta vie pendant des années, ce soir, tu vas dire que non, je refuse. Mon Dieu, par le nom puissant de Jésus, je refuse de craindre. Par le nom puissant de Jésus, commence à prier avec moi là où tu es. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier. Prie avec moi. Parce qu'il y a les histoires qui dérange ta vie la nuit. Il y a des histoires qui sont en train de voler la nuit pour te déranger. Il y a des histoires
qui sont en train de voler la nuit. Il y a de flèches qui volent la nuit. Il y a de flèches qui volent le jour. Il y a la peste qui marche dans le ténèbre. Il y a la contagion qui frappe en plein midi. Alors, il y a des histoires qui sont en train d'attaquer les gens. Mais toi, tu vas dire ce soir, parce que tu es devant ton Dieu, parce que tu es devant ton Seigneur, tu vas dire que non, je refuse de craindre. Je refuse de craindre. Je refuse de craindre par le nom puissant de Jésus. Je refuse de craindre. Prie avec moi au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie avec moi. Commence à refuser de craindre. Dis au nom de Jésus, je refuse de craindre. Je refuse de craindre par le nom puissant de Jésus. Je refuse de craindre par le nom puissant de Jésus. Tu es en train d'enlever la peur. Parce que quand la peur est en toi, la peur te domine. Quand la peur est en toi, la peur te fait faire des choses. Quand la peur est en toi, cela déjà ouvre la porte à l'ennemi d'entrer dans ta vie et de te déranger. C'est pourquoi tu vas confesser ce soir avec moi par le nom de Jésus. Je refuse de craindre. Je refuse la peur. Je refuse, yes, quelles que soient les choses qui ont attaqué ta vie, quelles que soient les choses qui ont dérangé ta vie, même la nuit quand tu dors, tu vas dire non, je refuse de craindre. Je refuse par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, refuse ce soir avec moi. Refuse par le nom de Jésus. Refuse, dis non, je refuse. Je refuse de craindre. Je refuse de craindre par le nom puissant de Jésus. Je refuse de craindre par le nom puissant de Jésus. Je dis shalom à Maman Bibi Lunga. Sois béni, Maman Bibi. Aidez-nous à partager cette vidéo pour que nos frères et sœurs puissent se connecter et venir prier aussi. Il est temps de prier. Le Seigneur veut que tu pries. Le Seigneur veut que tu demeures dans sa présence parce qu'il veut faire quelque chose pour toi. Le Seigneur veut que tu demeures dans sa présence parce qu'il a quelque chose pour toi. C'est pourquoi ce soir, nous sommes en train de prier ensemble. Tu es en train de prier avec moi. Oui. Il y a des histoires. Je remets l'écriture. Il y a des histoires. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne craindras ni le terreur de la nuit. Il y a des terreurs qui viennent la nuit. Il y a des terreurs qui attaquent le gens la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, oui, ni la contagion qui frappe en plein midi. Oui, nous sommes en train de prier parce qu'il y a des terreurs de la nuit. Il y a des pestes qui marchent dans les ténèbres. Il y a des histoires qui attaquent les gens pendant qu'ils dorment. C'est pourquoi ce soir, tu es en train de prier. Tu es en train de dire que non. Au nom de Jésus, toutes ces choses qui ont volé contre moi, toutes ces choses qui sont venues contre moi la nuit pendant que j'ai dormi, pour déranger mon sommeil, pour déranger ma vie. Ah, j'ai dit non au nom de Jésus. J'ai dit non au nom de Jésus. Commence à refuser. Tu vas dire que non. Moi, je ne suis pas candidat pour que quand je dors, il y a des démons qui viennent emprisonner ma vie. Non, je refuse. Je ne suis pas candidat que quand je dors, il y a des cauchemars dans mon cerveau. Non, je refuse. Je refuse de passer des nuits dans la confusion. Je refuse parce que je suis en train de prier. Tu es en train de prier. Tu t'amènes devant ton Dieu. Tu es en train de prier pour lui dire non, Seigneur. J'ai dit non aux terreurs de la nuit. J'ai dit non aux terreurs, quel que soit. Toi-même, tu sais ce qui te dérange la nuit. Toi-même, tu sais ce qui te dérange la nuit. Tu vas dire non. Toi qui dérange ma nuit, toi qui viens me déranger la nuit, quand je suis en train de dormir, tu ne vas plus me déranger. Je suis en train de marcher contre toi. Je suis en train de faire des déclarations contre toi. Tu es en train de tenir debout parce que tu n'as pas peur de la chose qui te dérange la nuit. Alors tu es en train de dire au nom de Jésus, déclare ce soir, toi tes rêves de la nuit, je n'ai plus peur de toi. Je suis en train de me tenir contre toi par le nom de Jésus. Je suis en train de déclarer un feu contre toutes les histoires qui te donnent des cauchemars. Tu vas le brûler. Même s'il y a des choses dans ta maison, qu'on a installées dans ta maison pour te donner les cauchemars, tu vas le brûler au nom de Jésus. Toi-même, tu sais ce qui dérange ta vie la nuit. Tu sais ce qui dérange ta vie la nuit, mais tu vas dire à ton Dieu, brûle au nom de Jésus, brûle au nom de Jésus, brûle au nom de Jésus, brûle, yes, commence à brûler ces choses. Tu es en train de prier. Quand tu viens à un rendez-vous de prière comme ça, ça veut dire que tu es sérieux dans ta prière. Ça veut dire que tu es sérieux dans ta prière. Tu es en train de prier avec moi ce soir avant de dormir. Et tu vas dormir en paix, tu vas dormir en paix. C'est pourquoi je veux que tu le déclares. Tu vas dormir en paix. La nuit a été créée par Dieu
pour que après avoir travaillé pendant le jour, tu puisses te reposer la nuit. Et pendant que tu te reposes la nuit, ton cerveau se repose, ta mémoire se repose, ton corps se repose, ton âme se repose. Tu es ravitaillé la nuit pour avoir la force le jour, pour travailler les jours, pour soutenir les gens autour de toi pendant la journée. Même maintenant, si tu n'arrives pas à dormir la nuit, ça veut dire que tu es attaqué. Si tu perds la nuit, oublie les jours. Si tu perds la nuit, oublie les jours. C'est pourquoi tu vas dire non. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui est venu me déranger la nuit, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à brûler. Commande à ces choses de brûler. Tout, quel que soit le nom de la chose, tu vas dire trois choses qui dérangent ma nuit. Trois choses qui dérangent ma nuit. Commence à brûler. Au nom de Jésus, que ça brûle. Que ça brûle au nom de Jésus. Que ça brûle au nom puissant. Quelle que soit la chose qui t'a dérangé la nuit. Que ça brûle ce soir par le nom de Jésus. Ouvre ta bouche, prie avec moi. Ordonne un feu. Ordonne un feu dans le coin de ta maison. Ordonne un feu là où tu commences à déclarer un feu. Ma maison. Dans tous les coins de ma maison, un feu. Dans tous les coins de ma maison, un feu. Dans tous les coins de ta maison, tu as autorité de prier pour ta maison. Tu as autorité de prier pour tes enfants. Tu as autorité de prier pour ta femme. Tu es autorisé par Dieu de prier pour ton mari. Tu es autorisé par Dieu de prier pour tes enfants. De prier pour tes frères et sœurs dans la maison là où tu es. Tu es autorisé par Dieu. C'est pourquoi tu vas prier aujourd'hui avant de dormir. Tu vas dire tous les démons qui se contre moi, tous les démons qui sont venus autour encercler ma maison, au nom de Jésus, commencez à brûler par le nom de Jésus. Tous les démons qui amènent le terreur dans la nuit, là où pendant que toi tu dors, eux ils viennent pour violer ta vie. Pendant que toi tu dors, eux ils viennent pour tourmenter ta vie. Pendant que toi tu dors, eux ils viennent pour voler ton argent. Oh, ça là-bas, son de bas. Il y a crainte d'assaut. Non, ils vont brûler. Commence à le brûler. Déclare un feu. Dis au nom de Jésus. Yasinda kere meshinga. Au nom de Jésus. Yahonde bashinka rende kera. Au nom de Jésus. Brûle. Au nom de Jésus. Brûle. Au nom de Jésus. Brûle. Au nom. Yes. 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 Oh. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est venu contre toi la nuit. Tout ce qui est en train de camper contre toi. Les choses sont là. Ils sont en train de camper contre toi. Il attend seulement que quand toi tu dors, il vient. Il commence à jouer avec ta tête. Il vient. Il commence à jouer avec tes pieds. Il vient. Il commence à jouer avec ton corps. Il vient. Il commence à faire des bêtises contre toi. Tu vas dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, déclare ce soir avec moi. Commande un feu sur toutes les choses qui siègent contre toi la nuit. Yes, tu pries avant de dormir ce soir. Ta prière est sérieuse. Tu es en train de prier sérieusement. Yes, au nom de Jésus, le chêne qu'on a mis sur toi depuis la nuit pour essayer chaînes là sont en train de se révéler pendant la journée. Tu vois que tu n'avances pas. Yes, tu vas dire à ces chaînes, soyez brisés par le nom de Jésus. Soyez brisés par le nom de Jésus. Soyez brisés. Yes, tu es en train de parler aux chaînes qu'on a mis contre toi la nuit. Tu es en train de les commander au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas un mystère. Il y a beaucoup de pages qui nous parlent du travail de la nuit. Il y a beaucoup de pages qui nous parlent de la sorcellerie. Que le sorcier sort la nuit pour aller attaquer la vie de gens. Je suis en train d'utiliser aussi une écriture de la Bible où on nous dit qu'un maître
était parti pour planter de bonnes choses dans son jardin. Mais la nuit quand les gens dormaient, la nuit quand les hommes dormaient, un démon, un Satan, un sorcier, un féticheur, un vaudou est parti planter de mauvaises choses dans son champ. Voilà pourquoi la nuit, j'ai dit qu'il y a des attaques de la nuit. Il y a des mauvaises semences que le diable sème contre toi la nuit. Il y a des mauvaises paroles que la congrégation des sorciers, les équipes des sorciers vont en bas des arbres pour proclamer contre toi. Ce sont des semences qui viennent pour déranger ta vie. C'est pourquoi tu vas dire au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, un feu brûle mes ennemis de la nuit. Au nom puissant de Jésus, un feu, j'envoie un feu pour brûler mes ennemis de la nuit. Prie avec moi au nom de Jésus. Prie avec moi au nom de Jésus. Commande un feu sur tes ennemis. Commande un feu sur tes ennemis. Commande. Tu es en train de prier ce soir avant de dormir. Et tu es en train de déclarer devant ton Dieu, mon sommeil sera doux. Parce que tes ennemis, tu es en train de les brûler. Les ennemis, tu es en train de les brûler. Tous tes ennemis de la nuit. Je suis en train de dire à quelqu'un, beaucoup de combats que tu combats dans ta vie, ce sont des combats qui sont faits par quelqu'un qui se cache dans le ténèbres. Le travail de Satan, c'est un travail qui se fait dans le ténèbre. La Bible nous dit ça très clairement, qu'ils font leur travail dans le ténèbre parce qu'ils ne veulent pas qu'on le voit, ils ne veulent pas qu'on voit leur mauvais travail qu'ils font dans le noir, la nuit, quand nous dormons, et ils travaillent. C'est pourquoi toi, tu vas dire, avant que je parte dormir, je commande un feu. Avant que je parte dormir, je commande un feu, je commande un feu, je commande un feu, je commande un feu, je commande un feu. Au nom de Jésus, un feu sur mes ennemis, un feu sur mes ennemis, un grand feu, un grand feu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'un grand feu brûle mes ennemis, qu'un grand feu dévore mes ennemis, qu'un grand feu dévore ceux qui me détestent, ceux qui ont des mauvais plans contre moi, ceux qui, yes, 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 il y a des gens qui sont de ton village, il y a des gens qui sont de ton village, la nuit, en train de voyager sur des objets que tu ne peux pas comprendre, en train d'utiliser des objets que tu ne peux pas savoir, en train d'utiliser des balais pour voyager de ton village jusque dans ta maison. Et quand ils entrent dans ta maison, ils provoquent beaucoup d'obstacles, ils provoquent beaucoup de limitations, ils provoquent des maladies, ils provoquent même la mort. C'est pourquoi tu es en train d'utiliser l'autorité que tu as en Jésus. Tu vas dire que tout démon, tout sorcier, tout magicien, tout vaudou qui vole la nuit pour entrer dans ma maison et bloquer ma vie, envoûter ma vie, limiter ma vie, ah, brûle au nom de Jésus, 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 brûle, brûle, brûle au nom puissant de Jésus. Yes. Au nom puissant de Jésus. Oh, tu es en train de prier avec moi ce soir. Tu es en train de prier avec moi ce soir. Quelqu'un va prier. Tu vas prier pour ton cerveau. Tu vas prier pour ton cerveau. Toute connexion, tout câble qu'on a mis sur ton cerveau pour te faire rêver, pour te bombarder avec des cauchemars. Aujourd'hui, tu vas commander à ces câbles de brûler. Tu vas commander à ces contacts de brûler. Au nom de Jésus, commence à prier. Au nom de Jésus, commence à prier. Tout connexion qu'on a mis sur mon cerveau, Aranda Boshindarabaka, tout connexion, tout câble qu'on a mis sur mon cerveau pour me donner des cauchemars la nuit quand je dors, pour bombarder mon cerveau avec des cauchemars, je le brûle au nom de Jésus, 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 je le brûle. Yes, continue à envoyer un feu, continue à envoyer un feu. Yes, quand ton problème de la journée deviens sérieux. Tu dois entrer et devenir sérieux dans ta prière. Alors deviens sérieux dans ta prière ce soir. Ta prière va te délivrer. Ta prière va délivrer ta famille. Ta prière va délivrer tes enfants. Ta prière va briser de chaînes contre toi. Au nom de Jésus, tu vas continuer à prier. Yes, tu vas continuer à prier. Tu vas dire au nom de Jésus, tous les mauvais rêves
qu'on a planté dans ton cerveau, qui continue à tourner dans ton cerveau, va brûler. Tu vas les brûler. Tu vas commander un feu de brûler tous les cauchemars qu'on a mis dans ton cerveau. Tous les cauchemars, ce sont des mêmes cauchemars qui se répètent. Ce sont les mêmes cauchemars. Tu te répètes, yes, 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 yes. Commande un feu. Commande un feu. Commande un feu. Commande un feu. Yes, qu'un feu brûle les cauchemars, les disques de cauchemars qui se répètent dans ton cerveau. La nuit quand tu dors, c'est les mêmes mauvais rêves qui recommencent. C'est les mêmes mauvais rêve qui recommence. Tu vas le brûler, tu vas le brûler, tu vas le brûler, tu vas le brûler, tu vas le brûler au nom de Jésus. Commande un feu, commande un feu, déclare un feu, déclare yes, 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 yes. Tu peux prier pour toi, tu peux prier pour ta vie, tu peux prier pour ta maison et la délivrance arrive. Tu peux prier pour toi, tu peux prier pour ton cerveau et la délivrance arrive. Tu peux prier pour ta maison et la délivrance arrive. Tu peux prier pour tes enfants et la délivrance arrive. Alors prie avec moi ce soir. Déclare un feu. Déclare un feu sur ta maison. Déclare, prie avec moi. Déclare ce soir. Je déclare un feu sur ma maison. Je déclare un feu sur ma maison. Je déclare un feu sur ma maison. Aucun sorcier n'a le droit d'entrer dans ma maison. Aucun sorcier n'a le droit d'entrer dans ma maison. Ni par la porte, ni par la porte, ni par la fenêtre, ni par les petits trous. Au nom de Jésus, je déclare un feu sur ma maison. Ma maison ce soir est couverte par le feu. Ma maison ce soir est couverte par le feu. Ma maison ce soir est couverte par le feu. Ma maison, yes, prie avec moi. Pendant que tu es en train de prier, le chaîne qu'on a mis autour de ta maison sont brisées. Pendant que tu es en train de prier, les histoires qu'on a mis dans ta maison sont en train de brûler. Yes, pendant que tu es en train de prier, tu vas prier. Et tu vas avoir des révélations de Dieu la nuit quand tu dors. Le Seigneur va commencer à te parler. Je déclare ça sur quelqu'un. Je ne sais pas qui tu es, mais je suis en train de te voir. Pendant que tu es en train de prier au nom de Jésus, c'est un feu qui tourne ta maison et ça brise des chaînes. Je suis en train de voir des chaînes qu'on a mis sur même la maison de quelqu'un. C'est pourquoi tu vas prier. Continue à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare un feu autour de ma maison. Je déclare un feu autour de ma maison. Je déclare un feu autour de ma maison. À partir de ce soir, je suis en train de prier avant de dormir. Je suis en train de prier avant de dormir. Et je suis en train de déclarer à partir de ce soir, au nom de Jésus, par ma prière, aucun sorcier ne pourra entrer dans ma maison. Par ma prière, aucun sorcier ne pourra voir ce qui se passe dans ma maison. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, continue à prier. Continue à prier. Il y a quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce soir. J'espère que tu es en train de prier. Je suis dans la foi que tu es en train de prier et que tu n'es pas en train de dormir. Continue à prier. Qu'il y ait un feu tourne autour de ta maison. Qu'il y ait un tourbillon de feu maintenant. Un tourbillon de feu maintenant. Tu es en train de mettre un tourbillon de feu autour de ta maison. Tu es en train de mettre un tourbillon de feu autour de ta maison. Autour de ta famille. Commande un feu. Commande un feu. Au nom de Jésus. Tous les sorciers qui entraient dans ta maison avec facilité pourraient envoûter ta vie. Ne pourront plus entrer avec facilité. À partir de ce soir, par le nom de Jésus. À partir de ce soir, par le nom de Jésus, déclare un feu autour de ta maison. Déclare un feu autour de ta maison. Déclare un feu autour de ta maison. Par le nom de Jésus, je déclare un feu autour de ma maison. Je déclare un feu autour de ma maison. Je déclare un feu autour de ma maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yes, au nom de Jésus, ce feu est en train de tourner, contourner ta maison. Tu vas prier pour les gens de ta maison. Tu vas prier pour ta femme. Tu vas prier pour ton mari. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour les gens de ta maison. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je mets un feu autour de ma famille. Je mets un feu autour de ma famille. Les envoûtements de la nuit ne vont pas marcher contre ma famille. Les envoûtements de la nuit ne vont pas marcher. Yes, 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 yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a des envoûtements que je suis en train de voir, qu'on a mis dans ta vie, ça fait beaucoup d'années,
Ça fait beaucoup qui sont venus dans ta vie et planter ces envoûtements contre toi. Tu vas commencer à le brûler ce soir. Tu vas commencer à le brûler ce soir. Il y a des envoûtements qu'on a mis dans ta vie. Ça fait beaucoup d'années. Il y a des envoûtements qu'on a mis dans ta vie. Yes, des envoûtements qu'on a plantés dans ta vie. Ça fait beaucoup d'années. Ce soir, par le nom de Jésus, tu vas dire à ces envoûtements, ça termine. Ça termine. Ça termine ce soir. Ça termine ce soir. Par le nom de Jésus. Ça termine ce soir. Par le nom de Jésus. Je suis en train de déclarer un feu. Yes, par le nom puissant de Jésus. Envoûtement contre ta vie. Envoûtement contre les envoûtements. Yes. Ça brine des chines là-bas. Même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'il y a des envoûtements qui sont en train d'opérer sur toi. Des envoûtements qu'on a jetés contre toi la nuit. Yes, yes, yes. Aujourd'hui. Par le feu, ça va terminer. Aujourd'hui, yes, par le feu, par le feu, par le feu. Commence à déraciner. Commence à déraciner. Déclare avec moi. Tous les envoûtements qu'on a plantés dans ma vie, je le déracine par le feu du Saint-Esprit. Tous les envoûtements qu'on a placés dans ma vie, je le déracine par le feu du Saint-Esprit. Tous les envoûtements qu'on a placés dans ma vie, je le déracine par le feu du Saint-Esprit. Oh, je suis en train de prier ce soir avant de dormir. Dis cela devant ton Dieu. Mon Dieu, je suis en train de prier ce soir avant de dormir. Mon sommeil sera doux. Ma nuit sera plaisible. Je veux avoir des révélations. Et au nom de Jésus, tu vas avoir des révélations dans ton sommeil. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, le Seigneur est en train de travailler. La puissance de Dieu est en train de travailler. Il y a des anges du Seigneur qui sont libérés. Il y a les anges du Seigneur qui sont libérés. Je suis en train de dire à quelqu'un, la nuit est vraiment importante. La nuit est vraiment importante. Toutes les batailles que tu perds la nuit se manifestent au milieu de la jour. Et toutes les révélations que tu as la nuit, ça se manifeste au milieu de la journée. Je déclare dans la vue de quelqu'un, comme Joseph avait rêvé la nuit qu'il était un premier ministre, qu'il était un premier ministre, et pendant la journée, cela s'est manifesté, que cela se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare dans la vue de quelqu'un, comme Joseph avait dormi la nuit et il a rêvé que ses frères se sont agenouillés devant lui. Toi aussi tu vas dormir et tu vas rêver que tes frères s'agenouillent devant toi. Tu vas rêver que les gens qui te détestent s'agenouillent devant toi. Tu vas rêver que les gens qui voulaient manger ta vie, ils sont en train de se manger eux-mêmes. Toi aussi tu vas rêver la grandeur, le succès. Yes, tu vas dormir la nuit là où tu dormais et tu voyais ton uniforme du travail voler. Là, auprès de Shindara Kaka, tu vas dormir et tu vas rêver que ta compagnie est en train de progresser. Tu vas rêver comment tu es en train de donner beaucoup de gens du travail. Tout condition, le Seigneur me dit ce soir, je prophétise sur la vie de quelqu'un, tout condition est mis en place pour que ta compagnie explose. Yes, au nom de Jésus, ce soir, je suis en train de parler à un millionnaire par le nom puissant de Jésus. Ce soir, je suis en train de parler à un millionnaire par le nom puissant de Jésus. Je félicite à quelqu'un ce soir parce que la révélation qui donne les millions va entrer dans ton sommeil la nuit quand tu dors. Prie avec moi ce soir. Tu vas dire, oh mon Dieu, parle-moi. Siakarinda Shinda. Tu vas dire à ton Dieu, oh mon Dieu, parle-moi. Yes, donne-moi les révélations. À partir d'aujourd'hui, la nuit quand je dors, je suis en train de commander des révélations. Yes, au nom de Jésus, prie avec moi. Prie au nom de Jésus, déclare sur ton cerveau. Toi, mon cerveau, tu vas avoir que les rêves des révélations. Tous les cauchemars qui venaient contre moi, je brûle. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes, au nom de Jésus. Quelqu'un va prier avec moi. Tu vas déclarer aujourd'hui sur ton cerveau.
toi, mon cerveau, à partir de ce soir, tu vas avoir que des révélations. Quand je dors la nuit, il y aura que Dieu qui va me parler. Il y aura que Jésus qui va me parler. Il y aura que le Saint-Esprit qui va me parler. À partir de ce soir, dans mon sommeil, je vais rêver les anges de Dieu m'apporter les révélations. Je vais voir dans mes rêves les anges de Dieu m'apporter les révélations concernant ma compagnie. Dans mes rêves, je veux voir les anges de Dieu. Mais prie avec moi ce soir. Déclare la grandeur de Dieu dans ton cerveau. Yes, la nuit quand tu dors, tu vas voir Jésus. La nuit, yes, le temps que tu voyais ton grand-père, ta grand-mère et tes oncles du village venir contre toi avec le machette, c'est terminé par le feu du Saint-Esprit. C'est terminé par, yes, la nuit. Par le nom de Jésus, toutes les fois où tu voyais les gens venir dormir avec toi dans ton sommeil, cela termine aujourd'hui par le feu du Saint-Esprit. Déclare avec moi ce soir, par le nom de Jésus, toute porte qui était ouverte la nuit pour que ces démons entrent avec toi et te souillent au milieu de la nuit, ça ferme par le feu, ça ferme par le feu, ça ferme par le feu de Jésus. Yes, yes. Yes, au nom de Jésus, je suis en train de voir ta délivrance. Je suis en train de voir ta délivrance. Je suis en train de voir ta délivrance. Prie avec moi, déclare ta délivrance. Déclare ta délivrance. Déclare, yes, 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 yes. Tu es délivré de tous les combats de la nuit. Tu es délivré, yes. Le chaîne qu'on a mis sur toi par la sorcellerie, ce soir, ça doit tomber. Commence à le briser. Toutes les chaînes de la sorcellerie contre ta vie, brise-le au nom de Jésus. Toutes les chaînes de la nuit qu'on a mis sur toi, brise-le. Déclare au nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus, je déclare un feu sur toutes les chaînes de la nuit contre ma vie, toutes les chaînes de la nuit, toutes les chaînes de la nuit contre ma vie, toutes les limitations. Prie avec moi, déclare ce soir toutes les limitations qu'on a placées sur ma vie la nuit. Aujourd'hui, je le brise au nom de Jésus. Toutes les limitations qu'on a placées dans ma vie par la sorcellerie, je le brise au nom de Jésus. Déclare la délivrance de ta vie. Déclare ce soir la délivrance de ta famille. Tu es en train de prier pour toi. Tu es en train de prier pour ta femme. Tu es en train de prier pour ton mari. Tu es en train de prier pour vos enfants. Tu es en train de prier pour tes frères et sœurs. Prie pour ta famille. Déclare la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui délivre. La puissance de Dieu qui délivre. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yes, le chêne doit tomber. Le chêne doit tomber. Déclare ce soir avec moi. Ouvre ta bouche. Deviens sérieux dans ta prière. Quand tu vois que les problèmes que tu as dans la journée sont sérieux, alors avant de dormir, tu dois faire des prières sérieuses. Tu dois faire des prières sérieuses. Tu dois faire des prières sérieuses. Alors déclare ce soir avec moi. Oh mon Dieu, écoute ma prière. Oh mon Dieu, écoute ma prière. Réponds-moi par le feu. Oh mon Dieu, ce soir, prie, dis à ton Dieu, mon Dieu, ce soir, écoute ma prière et réponds-moi par le feu. Mon Dieu, écoute ma prière et réponds-moi par le feu. Où est le Dieu de Élie? Où est le Dieu de Élie? Le Dieu qui répond par le feu. Où est le Dieu de Élie? Le Dieu qui répond par le feu. Dis à ton Dieu ce soir, yes, toi qui es dérangé par le mari de nuit, toi qui es dérangé par le femme de nuit, prie avec moi ce soir. Tu vas prier aujourd'hui avant de dormir. Tu vas dire à ton Dieu, brûle ce mari de nuit. Brûle ce femme de nuit par le grand feu. Par le grand feu. Par le grand feu. Au nom de Jésus. Par le grand feu. Yes, yes, yes. Tu vas brûler tous ces démons qui attaquent ta vie la nuit. Tu vas brûler. Par le nom puissant de Jésus. Terminé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, continue à prier. Tu vas continuer à prier. Tu vas déclarer ce soir un feu sur le mari de nuit contre ta vie. Un feu sur le femme de nuit contre ta vie. Qu'il commence à brûler.
qu'elle commence ses esprits, brûlent par le feu. Je suis en train de prier avec toi. Pendant que tu es en train de prier, je t'amène dans la prière. Une prière qui délivre. Une yes, une prière qui sanctifie. Une prière qui montre le chemin. Une prière qui délivre. Yes, au nom de Jésus, commande un feu. De tata, koutoutou, chindara, kakaka. Yes, yes, pendant que tu es en train de prier aujourd'hui, avant de dormir, ta prière devient un feu. Pendant que tu es en train de prier ce soir, avant de dormir, les paroles de ta bouche sont des paroles de feu. Yes, le feu sort de ta bouche. Pendant que tu es en train de prier, le feu sort de ta bouche et dévore tes ennemis. Parce que tu es enfant de Dieu. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Yes, yes, yes. Quelqu'un, tu vas prier. Yes, que le feu de Dieu entre en bas de ton lit. Que ta rinda chunde kenda. Que le feu de Dieu entre en bas de ton lit et dévore tout ce qui est dormi en bas de ton lit contre toi. Que un feu entre en bas de ton lit. Tu es en train de prier ce soir avant de dormir. Déclare un feu en bas de ton lit. Déclare un feu sur ton lit. Déclare un feu dans tes draps. Déclare un feu dans ta chambre. Déclare un feu dans toute ta maison. Un feu qui brûle et qui brûle et qui brûle. Par le nom de Jésus. Déclare ce soir, dit, oh mon Dieu, je suis en train de prier ce soir avant de dormir. Je suis en train de prier ce soir avant de dormir. Réponds-moi par le feu. Réponds-moi par le feu. Réponds-moi. Sindakara Sinda Bondoshika. Yes, mon Dieu. Réponds pour moi. Rousinde Rebanda. Réponds-moi par le grand feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ton feu descende sur moi. Que ton feu visite ma maison. Que ton feu visite mon sommeil. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia à l'agneau. Enlève le péché du monde. Alléluia à l'agneau qui enlève le péché du monde. Au nom de Jésus, je remets notre culture de ce soir. Qu'est-ce qu'il dit? Et nous allons lire avec ça la suite. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alors, qu'est-ce que la suite nous dit? Oh Jésus! Oh Jésus, ça, maintenant à 7 à 8, psaume 91, 7 à 8, qu'est-ce que psaume 7 à 8 nous dit? Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Yes, la rétribution des méchants de tes yeux. Tu vas seulement voir la rétribution des méchants. Parce que eux, ils sont venus pour te faire tomber. La nuit, quand tu dors, et ils viennent avec des pièges. La nuit, quand les gens dorment, c'est quand eux, ils viennent avec leurs mauvais pièges. C'est quand eux, ils viennent avec leur saleté. C'est quand eux, ils viennent avec leur chaîne. Yes, la nuit, quand les gens dorment, c'est quand eux, ils viennent pour faire tomber les gens. Alors, tu vas dire que non. Je ne peux pas tomber. Je ne peux pas tomber. Yeah, tous ceux qui viennent pour te faire tomber, qu'ils commencent à tomber eux-mêmes. Tous ceux qui viennent, prie avec moi au nom de Jésus. Prie avec moi au nom de Jésus. Tous ceux qui viennent pour te faire tomber, qu'ils commencent à tomber eux-mêmes. Tous ceux qui viennent pour faire tomber ta vie, qu'ils commencent à tomber au nom de Jésus. Déclare avec moi, toi qui viens contre moi pour me faire tomber, commence à tomber toi-même. Commence à tomber toi-même. Par le nom de Jésus, toi qui viens pour faire tomber ma vie, tombe toi-même. Toi-même tombe. Pas ya 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 ya. La parole de Dieu me dit que je ne peux pas tomber. La parole de Dieu me dit que tu ne peux pas me faire tomber. Toi là, tu ne peux pas me faire tomber par le nom puissant de Jésus. Tu ne peux pas me faire tomber par le nom puissant de Jésus. Tu ne peux pas me faire tomber par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au parachachakarabo sokoromete kiraba. Au brende shekaraba ronde shekarabaraba. Tu vas déclarer ce soir avec moi. Tu vas dire aux méchants qui veulent faire tomber ta vie. Oh toi, Satan. Tu peux pas me faire tomber. Tu peux pas me faire tomber. Non. Par le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui veulent te faire tomber,
eux-mêmes vont tomber, eux-mêmes vont tomber par le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui veulent te faire tomber, tu vas déclarer ce soir avec moi. Toi qui veux me faire tomber, toi-même tu vas tomber. Tous ceux qui ont creusé des trous contre toi, tous les trous de la sorcellerie qu'on a creusé contre toi pour te faire tomber, tu vas déclarer ce soir, non, toi Satan, tu vas tomber dans tes propres trous. Toi Satan, tu vas tomber dans tes propres trous par le nom de Jésus. Toi Satan, yes. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui est encore debout en train de prier avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un au Brondo Chokoro Bendeshara? Est-ce qu'il y a quelqu'un debout qui est en train de prier avec moi? Je veux que tu déclares ce soir, toi Satan, qui viens contre ma vie, tu vas tomber dans tes propres pièges, tu vas tomber dans ta propre statue, tu vas tomber dans ta propre... Aïe, il y a quelqu'un qui va dire au démon qui combat sa vie, oh vous démon, vous allez tomber dans votre propre trou. Ceux qui ont creusé des trous contre toi, ils vont tomber. Par le nom de Jésus, ils vont tomber dans leur propre trou. Par le nom puissant de Jésus, ils vont tomber. Par le nom Osharande Shinderebe, par le nom puissant de Jésus, ceux qui ont creusé des trous contre toi, ils vont tomber dans le trou. Shekeke Ramaseka, Yonde Sheke Ramaseka Ramaseke, Yanda Masondere Sheke Rabaramo Sokoromo, Obrenda Sheke Rabaramo Sokorobenda. Ils vont tomber dans leur propre trou. Ils vont tomber dans leur propre trou. Ils vont tomber dans leur propre trou. Yes, au nom de Jésus, tu es en train de déclarer ce que ton Dieu te dit. Tu es en train de déclarer ce que ton Dieu te dit. Yes, 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais toi, tu ne vas pas tomber. Tu vas seulement regarder ce qui va arriver aux méchants. Alors, lui aussi, à qui Araba, continue à prier avec moi. Ce soir, déclare à tous ceux qui sont venus pour faire tomber ta vie. Tu vas les déclarer. Je remets l'écriture pour qu'on puisse voir ensemble cette écriture. C'est ce que l'écriture nous dit. Au nom de Jésus, je remets l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture nous dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore debout? Il y a quelqu'un qui est encore debout? Yes, sois béni Momoti, sois béni Sophie, sois béni Papa Alain, soyez tous bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore debout? Fais-moi voir dans les commentaires si tu es encore réveillé. Fais-moi voir dans les commentaires si tu es encore en train de prier. Lorinda Shikarabo Shinderebesinda. Yondesha, Koborenda Basindaraba. Yes, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Tu vas déclarer ce soir avec moi. Tu vas dire à ton Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant, que 1000 tombent à ta que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La rétribution de méchants, là, c'est quoi? La rétribution des méchants, c'est quelque chose qui est en train de rentrer sur les méchants. C'est leur paiement. Le méchant qui font tomber les gens. Les méchants qui vont pour te faire tomber. Eux-mêmes, ils vont tomber. Les méchants qui veulent, qu'ils ont creusé des trous. Les sorciers, là, qui ont creusé des trous pour te manger. Eux-mêmes, ils vont se manger eux-mêmes. Les sorciers qui ont fait des plans pour bloquer, te bloquer financièrement, eux-mêmes, ils vont se retrouver dans la pauvreté. Les sorciers qui ont inventé la maladie contre toi, eux-mêmes, vont mourir de leur maladie. Eux-mêmes, tu vas regarder avec tes yeux comment ils sont en train de tomber. Alors, comment ça va se passer? Ça ne peut pas se passer si toi, tu dors là. Non. Tu dois prier. La prière, c'est un commandement. Prière, c'est un commandement. Tu es en train de prier, tu es en train de déclarer, tu es en train de dire au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tous ceux qui sont venus pour manger ma vie, ils vont se manger eux-mêmes. Tous ceux qui sont venus pour bloquer ma vie, ils vont se bloquer eux-mêmes. Tous ceux qui sont venus pour me rendre malade, ils vont se rendre malade eux-mêmes. Tous ceux qui sont venus pour me rendre fou, ils vont se rendre fous eux-mêmes. Tous ceux qui sont venus pour limiter ma vie, ils vont se limiter eux-mêmes. Tous ceux qui sont venus pour me faire tomber dans les trous, eux-mêmes, ils vont tomber dans leurs trous. Ceux qui ont creusé un trou contre ma vie, eux-mêmes, ils vont tomber dans ces trous.
prie avec moi, déclare ces choses ce soir. Le Seigneur te donne l'autorisation de déclarer. Ceux qui ont fait de plans contre ta famille, ceux qui ont fait de plans contre tes enfants, ceux qui ont fait de plans contre ta femme, ceux qui ont fait de plans contre ton mari, ceux qui ont fait de plans contre tes frères et tes sœurs, ceux qui ont fait de plans contre ta maison, que leur plan tombe sur leur tête, qui a sabrondé chez Kéra Mossoro, maintenant même, pendant que je suis en train de parler, que leur plan tombe sur leur tête, que leur plan tombe sur leur tête, que leur plan tombe sur leur tête. Au nom de Jésus, tu vas seulement regarder toi-même la victoire, la manifestation de la victoire dans ta vie. Au nom de Jésus, yes. Oh Jésus, Jésus, ma victoire. Jésus, Jésus, ma victoire. Commence à voir la défaite de tes ennemis. Tes ennemis vont être couverts de la honte. Je déclare sur la tête de quelqu'un ce soir, par l'onction prophétique de ma vie, tes ennemis vont être couverts de la honte. Tous ceux qui ont inventé des cauchemars contre toi la nuit, à partir d'aujourd'hui, ils vont voir leurs propres cauchemars. Tous ceux qui venaient t'attaquer dans tes rêves avec des machettes, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas les attaquer dans le rêve. C'est Bando Shindera Kabonde Shingarama. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un ce soir. À partir de ce soir, tu vas voir seulement la victoire dans tes rêves. Tu seras numéro un. À partir, tu vas dormir. Tu vas rêver que tu es le premier de la classe. Tu vas te réveiller et tu seras le premier de ta classe. Tu vas dormir. Tu vas voir que ta compagnie fait des millions et des millions en bénéfice. Tu vas te réveiller et ta compagnie va faire des millions et des millions à bénéfice. Par le nom de Jésus, tu vas dormir et tu vas voir que tu es le président de ton pays. Tu vas te réveiller et tu vas te voir président de ton pays. Je suis en train de prêcher ce soir à un millionnaire. Je suis en train de prier ce soir avec un millionnaire. Je suis en train de voir ta compagnie dans mon rêve. Yes, nous sommes en train de prier avant de dormir. Yes, nous Yacharomeshikeraba. Le Seigneur Dieu et c'est lui qui soutient la parole de ses servants le prophète. Yakronde Shindera Romende Shikara Ohopa Tundisha. Comme un prophète, je suis en train de déclarer avec toi ce soir. Aujourd'hui, tu vas dormir en paix. Yes. Orandi Shikira, pendant que tu es en train de dormir la nuit, le Seigneur, yes, Mikadrunde Shikara Mondoso, le Seigneur est en train de me parler à gauche et à droite. Alors je dois faire rapidement pour tout dire ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un ce soir, tu vas dormir là où tu voyais les sorciers de ta famille couper ta peau pour manger. Mais aujourd'hui, tu vas dormir. Tu vas voir Jésus en train de te guérir. Tu vas rêver que Jésus-Christ est en train de faire l'opération. Et tu vas te réveiller. Tu seras guéri. Tu vas te yabroshi karamande karaba. Il y a quelqu'un. Tu dors. Hein? Quand tu dors, tu te réveilles le matin fatigué. C'est parce que la nuit, les sorciers de ta famille te font travailler. Mais à partir de ce soir, je déclare un feu sur tous les sorciers de ta famille. Je déclare un feu sur tous les gros sorciers de ta famille. Tu vas dormir en paix. Ils ne peuvent plus venir prendre ton esprit, prendre ton âme pour te faire aller travailler dans leur ferme. Au nom de Jésus, cela termine, cela termine, cela termine. Je le déclare comme un prophète du Seigneur. Je le déclare comme un prophète envoyé par Dieu. Tu vas dormir en paix et tu vas te réveiller en paix. Tu vas ya yo 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 indarama. Le Seigneur est en train de faire un miracle pour quelqu'un maintenant. Yes, c'est Routesha. Cette nuit, pendant ta prière, le Seigneur t'a ouvert le ciel. Le Seigneur est en train de faire couler la bénédiction dans ta maison. Le ciel, ta prière de ce soir a ouvert le ciel. La prière de ce soir a ouvert. Yes, yes, au nom de Jésus. Le ciel est ouvert pour toi. Oh, Nashinde Yunkera, la connexion de la prière prophétique ce soir a ouvert le ciel pour toi. Il y a la gloire qui est en train de descendre dans ta maison. Tu vas dormir dans la gloire. Tu vas te réveiller dans la gloire. Yes, la gloire dorée. La gloire, elle est dorée. Elle est en train de couler sur toi. Elle est en train de couler sur ton lit. Pendant que tu dors comme Blanche-Neige, pendant que tu dors comme la princesse, comme le prince, la gloire du Seigneur, le ciel est ouvert pour toi. La gloire est en train de
de descendre tout autour de ton lit. La gloire, comme la neige descend, mais ce n'est pas la neige, mais c'est la gloire. Elle est dorée, elle descend sur toi, et toi tu vas dormir en paix. Aïe, 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 ajoute les anges autour de toi. Tu vas dormir en paix. Tu vas te réveiller avec des révélations. Tu vas dormir en paix. Yes! Je vais dire à quelqu'un, j'explique quelque chose et je te le dis. Prosia Krondeshera. Il y a la plupart des gens qui sont millionnaires. La plupart des gens qui sont billionnaires. Ils te vont te faire le témoignage qu'ils dormaient la nuit et la révélation de la compagnie, la révélation des affaires, la révélation du business est venue vers eux dans un songe. Et ils se sont réveillés, ils ont fait selon les songes et les millions et les millions et les billions sont venus chez eux. C'est pourquoi d'abord je te dis cela pour déclarer sur ton cerveau, à partir de ce soir, ton cerveau va recevoir des révélations la nuit quand tu dors. Les révélations qui vont te rendre millionnaire. Ce soir, l'onction du Seigneur me commande de déclarer que je suis en train de prier avec un millionnaire. Je suis en train de prier avec un millionnaire. Je ne sais pas qui tu es, mais la puissance du Seigneur est en train de te visiter. La puissance du Seigneur est en train de te visiter parce que tu vas dormir en paix. Les anges de Dieu seront autour de toi et tu vas rêver. Tu vas rêver, tu vas voir Dieu. Il est temps que Jésus puisse t'apparaître là où les sorciers de ta famille étaient en train de se montrer dans tes rêves avec des gros dents. À partir d'aujourd'hui, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ lui-même va se montrer, va se manifester dans ton rêve pour te parler et te dire comment faire le business, te montrer comment faire les affaires, te montrer comment faire ton ministère, te montrer comment avancer dans la vie. Le chaîne de la sorcellerie ne peut plus te résister parce que tu es en train d'avancer avec des révélations prophétiques. Yes! Au nom de Jésus, le paix de la parole est en train de couper le chaîne contre toi. Yes! Au nom, yes! La puissance du Seigneur est en train de délivrer quelqu'un ce soir. Le Seigneur te fait monter. Le Seigneur te fait monter. Yes! Le trou qu'on a creusé contre toi, cela va les avaler eux-mêmes. Tu es béni par Seigneur, par le Seigneur Jésus. Tu es béni par Yahweh. Reçois la délivrance de ta vie. Reçois, yes, 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 yes. Il y a un miracle qui va arriver dans ta vie. Et quand tu vas l'expliquer le matin, tes voisins vont dormir. Il y a un miracle que le Seigneur va faire pour toi ce soir, avant que tu montes au lit, avant que tu pars au lit. Quand tu vas te réveiller le matin pour l'expliquer aux gens de ton avenue, ils vont s'évanouir. Ils vont s'évanouir parce qu'ils n'ont jamais entendu quelqu'un avoir ce miracle. Alors reçois ton miracle. Reçois ton miracle par le nom puissant de Jésus. Reçois ce soir ton miracle, qui est la puissance de Jésus. Découvre et deviens nouveau, deviens nouvelle. Que la puissance du Seigneur te couvre ce soir. Yes, parce que tu as prié avec moi avant de dormir ce soir. Le miracle que Yahweh, le Dieu d'Abraham, a commandé dans ma vie. Que ce miracle arrive dans ta vie par le nom puissant de Jésus. Que ce miracle arrive dans ta vie par le nom de Jésus. Que ce miracle arrive, yes, 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 par le nom puissant de Jésus. Je déclare de gros miracles pour toi. Je déclare de gros miracles pour ta famille. Je déclare la résulte. Yes, tu vas réussir. Tu vas réussir. Arrête de pleurer. Yes, au nom de Jésus, je prophétise sur toi tout la souffrance que tu as vue dans la vie et que la nuit quand tu dormais, cela devenait lourd à ton cœur pour te faire pleurer. Elle termine ce soir. Elle termine ce soir. Toute cette souffrance que la vie t'a montrée et que la nuit quand tu montes sur les lits, tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de mouiller tes draps avec ces pleurs à partir de ce soir.
cette souffrance termine. Je suis en train de voir le Seigneur te donner une nouvelle qui va te faire rire pendant 1000 ans. Je suis dans mes yeux prophétiques, je suis en train de voir le Seigneur te donner une bonne nouvelle qui va te faire rire pendant 1000 ans. Tu vas commencer à rire aujourd'hui jusque dans le ciel. Tu vas continuer à rire et tu vas dire à tout le monde, voici le miracle que le Dieu de Jacob a fait pour moi. Alléluia. Yes, commence à dire merci. Commence à dire merci. Dis merci Seigneur Jésus. Oh merci Seigneur Jésus. Oh merci Jésus, merci Jésus. Nous t'aimons Seigneur Jésus. Oh alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus pour la grande délivrance. Merci Yahweh parce que tu as délivré mon frère. Merci Seigneur parce que tu as délivré ma sœur. Merci Seigneur. Oh. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia à Jésus. Alléluia à Jésus, le roi des rois. Hosanna, hosanna, hosanna. Hosanna, 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 hosanna à l'agneau de Dieu qui est le Seigneur qui nous aime, le Seigneur qui nous bénit. Alléluia, alléluia, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Ah, je les déclare au nom de Jésus. Soyez tous bénis la famille par le nom puissant de Jésus. Yes, voilà mon numéro WhatsApp. Je suis en train de voir les témoignages de ta vie. Alors n'hésite pas à me contacter par mon numéro WhatsApp pour partager avec moi le miracle que le Seigneur a fait pour toi ce soir. Oui, cette semaine, comme je vous ai dit hier, cette semaine on va prier. On va prier ensemble. Cette semaine, c'est ça, une semaine où nous sommes en train de prier avant de dormir. Oh oui, peut-être que tu vas dans ton pays, c'est encore la journée. Peut-être que tu vas regarder ces vidéos parce que je sais que les vidéos passent sur Facebook et sur YouTube. Et il y a beaucoup de gens qui regardent. Ok, avant d'abord que je parle de ça, pendant que toi, tu es en train de nous regarder, aide-moi à partager ces vidéos. Je vais te citer par nom. Aujourd'hui, je vous cite par nom et je dis partage. Oui, Maman Momoti, ça va, bonsoir. Sois béni, partage au nom de Jésus. Papa, Jacques, Baba, aide-moi à partager le vidéo. Sois béni par le nom puissant de Jésus. Yes, soyez tous bénis. Maman Bibi, je sais que tu es en train de me regarder. Partage le vidéo par le nom puissant de Jésus. Partage le vidéo pour que nos frères et sœurs puissent voir aussi ce que le Seigneur est en train de faire avec nous. Alors, qui d'autre? Dis-moi ton nom. Je veux voir que tu es encore debout et je veux te bénir et tu vas partager le vidéo. Aide-nous à partager le vidéo. Yes, Maman Bibi, j'espère que tu as partagé le vidéo. Aide-nous à partager ces vidéos pour que nos frères et sœurs puissent aussi regarder ces vidéos. Et quand nous, on va dormir et ils seront debout, ils vont le partager aussi. Alors, le vidéo, comme je disais, il y a beaucoup de nos frères qui regardent le matin. Les autres vont regarder le matin, les autres vont regarder la nuit parce que nous, il y a des autres qui sont encore dehors. Quand ils vont entrer, ils vont partager. Maman Aziza, oui, Maman Aziza partage toujours. Sois béni, partage le vidéo pour que nos frères et sœurs puissent regarder aussi quand ils vont se connecter. Alors, soyez tous bénis, je crois que j'ai dit tous les noms de... Alors, je peux pas monter en haut que ça. Alors, si tu es encore debout, fais-moi voir ton nom comme ça je puisse te dire shalom. Au nom de Jésus. Alors, soyez tous bénis, la famille. Soyez tous bénis, mes frères et sœurs. Soyez tous bénis par le nom puissant du Seigneur. Demain encore, nous allons prier ensemble. Nous allons prier cette semaine. Et avec ces prières, je suis dans la foi que les sorciers qui dérangeaient ton sommeil vont brûler. Avant que cette semaine termine, les gros sorciers de ta famille, le chef des sorciers de ta famille, qui passe son temps à voler la nuit pour bloquer la vie des enfants des gens, va dormir dans le feu. Il va dormir, il va pleurer, il va te dire, oh, nous te laissons, on va plus venir te bloquer. Alors, arrête seulement, avant que tu abîmes nos histoires, nous te laissons, on va plus te bloquer. Tu vas dire, yes, laisse toute la famille, au nom de Jésus. Voilà ce que je suis en train de déclarer prophétiquement et c'est ce qui va arriver cette semaine. Alors, soyez tous bénis par le nom puissant du Seigneur. Nous nous retrouvons demain à la même heure.
pour prier. Donc, tu viens avec l'esprit de la prière et on va prier ensemble. Et le feu de Dieu va délivrer quelqu'un. Soyez tous bénis par le nom du Seigneur. Je vous aime beaucoup. Bye bye, bye bye, bye bye.